On va doubler le nombre de roues, mais les réduire pour parler de longboard et de street luge avec Stéphane et Guillaume. Alors, c'est deux disciplines assez spectaculaires. Votre association s'appelle la DDE. Alors, aucun rapport avec l'administration qu'on connaît bien. DDE, ça veut dire descendeur des environs. C'est assez vague comme définition, Stéphane. Oui, parce qu'on descend un peu partout. C'est un peu un petit mélange entre j'irai rider près de chez vous et puis c'est aussi un peu un hommage à la vraie. À la vraie DDE qui s'occupe notamment des routes. Et vous avez besoin de routes pour pratiquer votre sport. Si possible, en bon état. En bon état. on va le voir tout de suite. Le longboard, Guillaume, c'est plutôt votre spécialité. Ça se pratique donc avec cette planche que vous nous avez amenée sur le plateau. Celle-ci ou d'autres, l'idée c'est simplement d'avoir, à la base c'est le système du skateboard, mais qui va être adapté pour pouvoir rouler quand même plutôt plus vite, d'être plus stable et d'être moins sensible à l'asphalte et à la qualité du revêtement. Parce que c'est vrai que le petit skateboard, très vite, sur des routes un petit peu chahutées, ça devient très désagréable. Donc ça se pratique en descente. Techniquement, quand on n'est pas un spécialiste, on a l'impression que pour freiner ou pour se diriger, quand ça va un peu vite, c'est compliqué. Alors, c'est sûr que si on n'est pas initié correctement, c'est très compliqué. Et à la limite, j'ai envie de dire que ça se passe pendant pas longtemps parce que la chute arrive vite. Et c'est pour ça que finalement, les gens qu'on voit sur la route, c'est quand même des pratiquants avertis. Il y a beaucoup d'entraînement et la majorité de l'entraînement à l'origine, c'est sur le freinage, évidemment. Et faut se dire que ceux qu'on continue de voir rouler sur la route, eh ben, ils maîtrisent vraiment leur engin parce que sinon, ils ne restent pas très longtemps dessus. Alors, ça se pratique sur des routes de montagne. La circulation est bloquée quand vous vous entraînez ou il faut faire attention au code de la route ? Alors, on respecte le code de la route. Hein. Là, sur les images qu'on peut voir ici, eh ben, on reste sur notre bande de droite. Et après, dans la mesure du possible, mais ça demande évidemment pas mal de boulot, on ferme des routes. Mais ça s'organise avec l'administration et les autorités locales. À quelle vitesse on peut descendre sur une planche comme celle-là ? Ben là, sur certaines routes de Beldon, on sait avoir passé les 100 km/h sans problème. Ouais, sans problème. J'aime sans bien problème. Sans problème. Sans problème. Quand la route est fermée, bien sûr. Quand la route est fermée. Ouais. D'accord, et puis avec ça quand même, avec sur la tête. Hein. Cuir de moto, combinaison intégrale, avec protection dorsale, gants. Non, on ne fait pas ça n'importe comment. Non. On peut aller encore plus vite, Stéphane, avec cet engin que vous nous avez amené sur le plateau. Ça s'appelle une street luge. Ça, c'est une street luge. Donc ça, c'est celle-là, là. Voilà, ça, c'est la version Formule 1 du skateboard. Donc ça, on s'allonge. Il y a un baquet, on est calé. On est le dos à 2 cm du sol. Et je dirais qu'en vitesse minimum, 60 km/h, c'est rien du c'est tout. Le béaba. Ça fait déjà beaucoup de sensations. Ça se prend très très facilement, ça se contrôle encore très bien, on peut freiner très très vite. C'est un engin qui s'arrête extrêmement vite. À ma connaissance, ça freine même mieux qu'un vélo. Pourtant, il n'y a pas de frein. Ouais, mais en montagne, je ne sais pas si vous avez déjà amusé ou s'il y a beaucoup de gens qui sont amusés à suivre un vélo en montagne, ça freine déjà très bien. Donc nous, on freine comme on le voit là, avec les pieds. Voilà. Faut donc, les on colle semelles, des morceaux hein. de pneus, on colle du pneu, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ah, ouais. On colle du pneu sous les semelles et déjà, ça freine mieux en termes d'adhérence. Et en plus, je dirais, ça évite de cramer une paire de chaussures toutes les deux ou trois descentes. Quoi. Donc, on vous voit doubler une voiture, là, c'est pour les images ou vous pouvez vraiment aller plus vite que des véhicules motorisés ? On peut aller beaucoup plus vite que des véhicules motorisés, on peut aller plus vite qu'une moto. Je dirais, moi, ma connaissance, c'est ce qu'il y a de plus rapide sur une route de montagne. Si elle s'y prête, ça peut aller beaucoup plus vite que n'importe quoi, motorisé ou pas, sur une route de montagne, quoi. Alors on le voit, c'est quand même physique hein, dans les virages, et il faut jouer de son corps. Pour, la luge, ça fait bien les abdos, ouais, ça demande de bien gainer ouais, régulièrement. Mais bon, pareil, ça demande pas mal de pratique sur... parce que voilà, c'est un peu, je vais faire un parallèle aussi avec la neige. C'est comme en ski. Vous prenez quelqu'un qui ne sait pas skier, vous lui mettez les chaussures au pied, vous le faites chausser, vous le lancez dans la pente. Tant qu'il sait faire, il va continuer à descendre. Puis à partir du moment où il ne sait plus faire, il va tomber. Donc plus on va vite, plus la chute peut être douloureuse. Donc plus faut savoir déjà faire pour justement pas tomber, mais c'est là aussi que voilà que la pratique, que les années de pratique viennent et que je dirais on est capable de d'enchaîner et de maîtriser quoi. Vous parliez de la DDE tout à l'heure. Comment les autorités gèrent cette pratique d'avoir des descendeurs sur quatre roues allongés sur une luge qui circulent au milieu des voitures? C'est accepté, c'est toléré, on vous fait un peu la chasse? Comment ça se passe?
Dans mon expérience, au niveau du statut légal, grosso modo, a priori, on a un statut de piéton et il y a une volonté de garder un flou autour de ça, parce que si on commence à légiférer pour le skateboard, il va falloir le faire pour la trottinette, pour tout, pour n'importe quoi. Donc ce qu'on demande aux pratiquants, c'est de respecter le code de la route. Et après, ce qui se passe, c'est que sur des petites routes comme ça, qui sont des routes de stations de ski, en fait, où l'été, il y a extrêmement peu de monde, bah, finalement, elles sont extrêmement larges et il y a de la place pour se mélanger avec les promeneurs qui viennent en voiture. Sur des routes qui seraient avec un énorme trafic, tout de suite, on a la gendarmerie qui vient et on discute. Et en fait, ils nous disent, écoutez, là, c'est pas le bon moment de passer. Qui est-ce qui est là? Je vois que c'est des champions. Bon, écoutez, là, il commence à y avoir du trafic, c'est pas le bon moment. Quand on veut aller rouler des routes où il y a potentiellement du trafic, eh ben, on y va le dimanche matin à 5 heures. Et voilà. Et là, on a du terrain de jeu qui est libre. Alors, si vous voulez les voir, il faut se lever tôt. Il y a les bons spots autour de Grenoble. Là, je crois que c'était la route des sept lots qui monte à Pipé. Voilà, la route de Pipé. Après, on cherche des routes. Il ne faut pas que ça remonte à un moment donné. Il faut que ça reste quand même assez. Il faut qu'il y ait une bonne pente avant pour qu'on ait pu prendre de l'élan. Mais non, après, c'est. Voilà, il faut des routes potentiellement où il y a peu de trafic, où le goudron est en bon état. Et qui vont être un minimum soit le parcours qui va être joueur assez sinueux ou assez long, assez rapide, assez voilà. Après, chacun va aimer plutôt tel ou tel type de parcours, mais là après, c'est un peu chacun. On a beaucoup roulé à une époque sur Champs-Rousses, côté Luitel. On a organisé, nous, déjà notre association, donc beaucoup d'événements là-haut à une époque. Après, on en a organisé plus sur les sept lots. Ça dépend un peu de l'état du goudron, ça dépend la route joue beaucoup. Alors le prochain rendez-vous pour vous voir à l'œuvre, ce sera justement du côté des sept lots sur cette route de Pipé, le 27 au 29 mai. C'est le même week-end que le Vélopolis, mais bon, sur trois jours, on peut faire les grandes roues et les petites roues. C'est quoi, c'est une compétition, ce rassemblement de la fin du mois de mai? Alors là, non, donc là, c'est un rassemblement. C'est ce qu'on appelle par analogie un peu du free route. C'est-à-dire que c'est juste. Parce que bon, l'inconvénient des courses, quand on s'est posé un peu la question au début, quand on a commencé à faire ça, c'est qu'une course c'est bien, mais des fois on va faire 250, 300, 500 km pour y aller. On va faire les runs d'entraînement, mettons une dizaine de runs. On va faire les qualifs, si on n'est pas trop mauvais ou moyen, bon, on va se faire éliminer peut-être en quart, on aura fait 3-4 runs, et puis après, on regarde les autres descendre, et puis c'est fini, quoi. Alors que là, il n'y a pas d'élimination, il n'y a rien. Tant qu'on est capable de descendre, qu'on n'est pas fatigué, qu'on a envie, ben on y va, on enchaîne, quoi. Donc ça permet de faire des centaines de kilomètres dans le week-end, chose qui n'arrive pas sur une course. Bon, 27 au 29 mai, je crois que la route sera fermée. La route sera fermée. En toute sécurité, sauf pour le public qui veut monter. Voilà. Il y aura des créneaux pour. Ils ne vont pas se taper les 7 km à pied pour venir vous voir quand même. Non. On a repéré des endroits où on peut garer des voitures en sécurité et on les laissera se mettre strictement là. Voilà, si les gens veulent venir, ils viennent, il n'y a pas de problème, ils pourront accéder. Si des gens veulent monter, se promener au-dessus dans la montagne, ils peuvent venir, il n'y a aucun problème. Juste quand nous, on est en train de descendre. Pour les raisons de sécurité évidentes. On peut le comprendre. On ferme la route, personne ne monte. Et après, donc, les gens montent, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent monter jusqu'en haut au parking et se balader en haut dans la montagne, il n'y a pas de problème. S'ils veulent voir les descendeurs, ils se mettront dans un virage à proximité d'un commissaire qui leur donnera les consignes. Lui, il est au courant par radio de ce qui se passe, s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Et puis, très bien. Puis voilà. Ça s'appelle le diocèse, en deux mots, hein, aucun rapport avec la religion, même si on prie le ciel que tout se passe bien, que la météo soit clémente et qu'il n'y ait pas de voiture garée dans un mauvais virage. Non, mais ça, de toute façon, on fait le ménage, je dirais. Il y aura les commissaires pour avoir les gens, je dirais, à portée de vue, de voix. Et nous, au niveau organisation, il y a un véhicule ouvreur qui part avant chaque descente. Donc même s'il y a quelqu'un qui a pu échapper à la vigilance des commissaires, il n'échappera pas à celle du véhicule ouvreur et donc il faudra qu'il bouge son véhicule. Allez, la DDE veille sur ce week-end. Merci en tout cas à tous les quatre. Est-ce que vous connaissez Zach Maytoon? Ça vous parle? Pas personnellement, mais le nom me dit quelque chose. Et bien, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert en préparant cette émission. Et comme on skie toujours en image dans Grand Air, on va le regarder à l'œuvre sur une route américaine en longboard. Une descente à plus de 110 km/h sur route ouverte. Il a osé, le garçon. Et visiblement, il maîtrise bien son engin à ne pas reproduire quand même si vous n'êtes pas un expert du longboard. À bientôt pour d'autres aventures.
D'être aux côtés de ceux qui entreprennent dans les Alpes, c'est notre mission. Banque Populaire des Alpes, additionnez les forces, multipliez les chances.